Le coup d'envoi à Gaston Médecin. 28e journée de Betclic Elite Monaco-Nancy. Ils ne sont pas pressés. Ils vont se resituer avec Mike James. Oti Younas. Et près du cercle avec la faute, John Brown. Alan Johnson. Il cherche à alerter leurs intérieurs, à essayer de trouver Thompson ou Singala matin, mais ce sont des passes peu évidentes. De Monaco qui avait perdu 94-86 à Gentilly. C'était début novembre. Ouh, c'est loin. Kouba Ouattara servi par Mike James. Et on rajoute quasiment au buzzer du premier carton. Un tir. Clemons, 11 points pour Chris Clemons. MJT qui a peut-être envie de défier Shevon Thompson. Et qui va y arriver délicatement. On va s'approcher. Et à côté, récupération finalement d'Ante Hall qui va marquer avec la faute. Clemons retrouve Thompson, c'est bien joué pour aller chercher Tyrone Johnson. Trois matchs pour décider d'un titre européen. Le match 3 aura lieu le lundi 15 éventuellement, si besoin, à l'Adidas Arena de la Tasse Monté. Younas, servi par Mike James. Shevon Thompson avec Chris Clemons. Clemons qui a mis l'hésitation et oui, bien joué. Tasmoté Younas trouve John Brown. Cette fois-ci, la faute sur John Brown, le panier accordé au guerrier. Ben Johnson ne prend pas l'écran. Attends la banca. La banca en vitesse et Omenaka. Autour de Matthew Strazel qui va devoir défendre tout de suite Chris Clemons. Et il a profité, Chris Clemons. Qui n'a pas pu dégainer. C'est Tyrone Johnson qui va s'en charger. Et Nancy est devant grâce à Tyrone Johnson qui prend le relais de Chris Clemons. Ils vont se mettre à y croire très fort. Les Nancéens, surtout si Chris Clemons en met un sixième. Et oui, le sixième pour Chris Clemons. 6 sur 11 à 3 points. Alors, réaction monégasque. Pas sur ce tir de Strazel. Pas sur ce rebond de Mame Jaïté. Mais sur la troisième chance de John Brown. 13 au total à Gaston Médecin. Shevon Thompson qui en passe dessous. Mame Jaïté qui n'a pas fermé la porte complètement. En puissance et on va l'accorder. Ce panier à Yakuba Ouattara. Dans ce troisième carton, Chris Clemons, évidemment. Chris Clemons, évidemment. Chris Clemons, bien sûr. Chris Clemons, 27 points. Et le panier au buzzer du troisième carton. J'étais à deux doigts de vous casser les oreilles si jamais ce ballon venait filocher. Singala Mata pour Caleb Walker. C'était en tête de raquette. Ça se termine au cercle. Cette connexion est plus 4 pour les Nancéens à nouveau. Ouattara, c'est trop long. Comment friche la vitesse. Tyrone Johnson a été laissé tout seul, les Monégasques. Contre Tyrone Johnson. Tyrone Johnson, le décalage est fait. Et Bruno Singala Mata qui n'a plus pour trouver d'autres joueurs. Le ballon intercepté par le Snuk. C'est reparti tout de suite. Clément Friche vers les dunkers. Clément Friche pour le poster. Mike James qui cherche un partenaire et qui le trouve avec John Brown, touché par pour Mike James. John Brown qui marque. L'énergie du désespoir pour les Monégasques qui vont rester haut en pression. Et la première équipe à faire tomber Monaco à Gaston Médecin. 100 à 86, Nancy qui aura gagné à l'aller
et au retour contre les champions de France, contre le leader de la Betclic Elite.